بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين il marche le micro marche pas hein? Tu es avec ça? Sinon... Bismillah, bismillah. Bien sûr. Bismillah, bismillah. Non, c'est pas, voilà. C'est bon, c'est bon, tchao. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawasil inshallah ad-durus fi sharh 40 an-nawawiyya wa wasalna ila al-hadith at-tasi'. Donc on continue inshallah nos cours de l'explication des 40 hadiths de l'imam an-Nawawi et nous étions arrivés au 9e hadith. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr, et ça c'est le véritable nom de Abu Huraira. Abu Huraira que vous connaissez, c'était sa cunia, d'accord, mais son véritable nom était Abdurrahman ibn Sakhr. Il dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: ce que je vous ai interdit, alors évitez-le. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le autant que possible, autant que vous pouvez. Ce qui a fait périr ceux qui étaient avant vous, ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وخاصة اليهود,
Là, le prophète, sallam, ceux qui étaient avant vous, le prophète vise les juifs et les chrétiens. Donc ce qui les a fait se perdre, c'est de poser beaucoup de questions. Et leur divergence avec leur prophète, à cause de, du fait de poser beaucoup de questions, c'est ce qui a occasionné la divergence avec leur prophète. فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية. أبو هريرة c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadith. له في كتب الحديث 74 و305 ألف حديثا. Dans les livres il y a 5374 hadith rapportés par Abu Huraira. منها 8600 في الصحيحين dont 608 qui sont dans Al-Bukhari wa Muslim. أسلم سنة السابعة هجرية. Il s'est converti à l'islam en l'an 7 de l'Hégire. Donc on voit que Abu Huraira s'est converti à embrasser l'islam assez tardivement en l'an 7 de l'Hégire. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة رغبة في العلم. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il est resté constamment avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant les 4 ans qu'il est resté, qu'il était musulman et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était vivant, il est resté collé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Par envie d'apprendre l'ilm. Wa kana min ashab as-suffah. Et il faisait partie de ashab as-suffah. Ashab as-suffah, c'était des compagnons qui étaient très pauvres et qui donc vivaient dans la cour de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont les autres musulmans qui les aidaient à trouver de quoi manger, etc., à leur donner ce dont ils avaient besoin. D'ailleurs, Abu Huraira, quand on lui demanda comment ça se fait que tu as rapporté autant de hadiths alors que d'autres compagnons en ont rapporté beaucoup moins, les autres compagnons. Et il a dit parce que les autres compagnons, eux, ils avaient leurs affaires, leurs champs, leur commerce à s'occuper. Moi, j'avais rien à m'occuper. J'étais dans la cour de la mosquée et je n'avais rien à faire si ce n'est écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a fait une dua en demandant à Allah de renforcer la mémoire de Abu Huraira pour que justement, en fait, Abu Huraira a été choisi par Allah pour rapporter autant de hadiths et pour être vraiment une des grandes causes de la préservation de la sunna, malgré le fait qu'il s'est converti assez tardivement. توفي سنة السابعة وخمسين أو التاسعة وخمسين في المدينة. Et il est décédé, rahimahullah, رضي الله عنه, en l'an 57 ou 59, on n'est pas sûr, dans l'an 57 ou 59 de l'Hégire, évidemment, à Médine. الإفادة يلتزم المسلم بما جاء به الشرع أمرا ونهيا قدر المستطاع بطيب قلب واستسلام. Donc, un des principaux enseignements de ce hadith, c'est le fait de dire que le musulman, il se doit de respecter les ordres et les interdits de la charia au maximum de ses possibilités. Et cela, par sa propre volonté. C'est-à-dire respecter les ordres et les interdits, mais pas en étant contraint. La ikraha fid din, pas en étant contraint par d'autres hommes. Respecter les ordres et les interdits de son plein gré, de sa propre volonté, et se soumettre de sa propre volonté. Al-Sharh, sabab wurud al-hadith. Sabab wurud al-hadith. Vous connaissez l'expression asbab al-nuzul ou sabab al-nuzul, qui sont les causes de la révélation. Là, il s'agit des versets du Coran. Parmi les outils du Mufassir, de celui qui explique, l'exégète qui explique les versets du Coran, il y a Sabab al-Nuzul. À quelle occasion le verset est descendu? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a occasionné la révélation d'un verset? C'est pas tous les versets qui ont un Sabab spécial. Parfois Allah révélait des versets comme ça. Mais parfois quelqu'un posait une question où il se passait quelque chose dans la vie du prophète sallam, ou un épisode dans la vie des compagnons et Allah y répondait. Donc révélait un verset pour cette situation-là. Ça ne veut pas dire qu'il est valable que pour cette situation-là, non. Les versets du Coran, ils sont valables pour tout le monde jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Mais
il a été révélé à une occasion. On appelle ça sabab al-nuzul. Et ça permet de mieux comprendre parfois qu'est-ce que Allah veut dire par tel verset. Pour les hadiths aussi, mais là on ne parle pas de sabab al-nuzul, on parle de sabab al-wurud. Sabab al-wurud. Parce que al-nuzul, ça veut dire la descente. Parce que les versets du Coran descendent du haut de sept cieux. Alors que les hadiths venaient du prophète, et wurud, warada, ça veut dire, en fait, ça veut dire à la base aller chercher de l'eau, aller s'abreuver, warada. Et donc, c'est imagé, s'abreuver de quoi par les hadiths, s'abreuver de science. Mais on dit sabab al-wurud concernant la situation dans laquelle le prophète a dit tel ou tel hadith. Donc, le sabab al-wurud de ce hadith. ما رواه مسلم في صحيح كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. Donc à quelle occasion le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ce hadith? Abu Huraira rapporte d'après Muslim que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait un discours. Et il dit, ô les gens, Allah vous a rendu obligatoire le pèlerinage, al-hajj, fahajju, donc faites ce pèlerinage. Faqala rajulun, a kulla amin ya Rasulallah. Alors là, il y a quelqu'un qui s'est levé qui a dit, le pèlerinage c'est tous les ans ya Rasulallah. Fasakata hatta qalaha thalathan. Mais le prophète n'a pas répondu. Jusqu'à ce que la personne, dont on va connaître le nom, ait demandé trois fois, a posé trois fois la question. Est-ce que c'est tous les ans le hajj? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été un peu énervé. Et il a dit, si j'avais répondu oui, alors ça aurait été obligatoire tous les ans et vous n'auriez pas pu le faire. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam, dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Donc ensuite le prophète m'a dit, laissez-moi, ne me posez pas de questions au sujet de quoi je ne vous ai rien dit. Certes ceux avant vous donc ont péri à cause du fait de poser trop de questions et de diverger avec leur prophète. Donc si je vous ordonne quelque chose, faites-le. Et si, faites-le autant que vous pouvez. Et si je vous interdis quelque chose, alors évitez-le. Voilà qu'il y a eu ce compagnon a eu une sorte d'un peu de mauvais comportement. Dans le sens déjà que poser la question, est-ce que c'est tous les ans? Si l'ordre avait été le hajj tous les ans, le prophète Sam l'aurait dit. Il n'y a rien dont on a besoin pour pratiquer notre religion que le prophète Sam ne nous a pas dit. Si le professeur ne l'a pas dit, c'est qu'il ne fallait pas demander. Mais surtout, il a demandé trois fois. Trois fois comme ça, comme si le professeur était sourd. Le professeur n'a pas répondu. Trois fois, le compagnon redemande. C'était sous Adam. Et c'est pour ça que le professeur m'a répondu un petit peu sèchement. وَالسَّائِلُ هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسْ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَكَانَ مِنْ مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ واستشهد سنة استشهد عفوا سنة 31 هجرية في جوزجان شمال أفغانستان. Donc ce compagnon, il s'agit de Aqra ibn Habis, qui s'est converti lors de la conquête de la Mecque, donc assez tardivement, dans l'an 9. Et il était parmi les mu'allafatu qulubuhum. Ceux qui ont suivi les cours de Sira se souviennent peut-être des Hawazin. Après la conquête de la Mecque, il y avait les Hawazin et les Thaqif de Taif qui ont fait une armée pour combattre les musulmans. Et les musulmans ont gagné la bataille de Hunayn. Et ils avaient amené avec eux leurs femmes et leurs enfants. Donc leurs femmes et leurs enfants ont été pris en esclavage. Ensuite, le prophète Sam les a attendus trois jours, je rappelle, pour ceux qui étaient là, ou ceux qui n'étaient pas là plutôt. Le prophète Sam a regroupé les esclaves des Hawazin. Et il les a attendus trois jours. Il attendait que justement les guerriers reviennent demander au prophète Sam de leur redonner. Mais ils ne sont pas venus. Alors le prophète Sam a partagé al-ranima, le butin, et parmi ça les esclaves. Et ensuite les Hawazin sont venus lui demander, ya Rasulallah, il n'était pas encore musulman, donc il ne l'a pas appelé Rasulallah, mais il lui a demandé une faveur de leur rendre leurs femmes et leurs enfants.
Alors le prophète avait dit que moi, ce qui m'appartient à moi et à mon clan, les Banu Hashim, on vous le rend. Mais les autres, c'est leur droit. Je ne peux pas les forcer. Et on avait parlé de la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres musulmans, là, c'est leur droit, le butin de guerre. Je ne peux pas les obliger. Mais évidemment, les Ansar les plus proches et les Muhajirun les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont vu le prophète rendre les esclaves, ils ont fait la même chose. Et ensuite, petit à petit, les autres aussi. Et ça, pourquoi ? Mu'allafatu qulubuhum. C'était ceux qui étaient proches de l'islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait attirer à l'islam. Comment ? En leur donnant des biens. Pardon. Et mu'allafatu qulubuhum, ça fait partie de ceux aussi à qui on peut donner la zakat. Il ne s'agit pas d'acheter les gens. Mais de, comme si vous voulez, un cadeau. Ça met à l'aise et ça met en place des bonnes relations. Donc il faisait partie de cela. Et ensuite, l'auteur nous dit wa hasuna islamuhu. Son islam, donc là, ils étaient un islam un petit peu superficiel, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus musulmans pour être avec les plus forts. Ça y est, les musulmans avaient conquis toute l'Arabie, il fallait être avec eux. Mais hasuna islamuhu, ensuite il est devenu un musulman sincère. Et ça, dans la Sira, on en voit beaucoup. Et de nos jours aussi, ça existe. C'est pour ça que quelqu'un qui se convertit à l'islam, même si on sent que c'est pas tout à fait pur son intention, il faut pas lui rejeter, lui dire non, sois complètement sincère et après tu reviendras musulman. Non. Il y a parmi nos frères certains, ils se sont convertis à l'islam pour épouser une musulmane. C'était ça leur niya, épouser une musulmane. Mais ça, ça a été l'occasion qu'ils connaissent l'islam. Et petit à petit, à force de connaître l'islam, ils deviennent des musulmans sincères. Et parfois, certains, ils deviennent plus pratiquants et plus sincères que leur épouse, finalement. Donc, il faut... Quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, on le laisse et, inshallah, ça yahsinu islamuhu. Et il est mort, donc, en martyr, en l'an 31 de Al-Hijra, en Afghanistan. Wa qila inna dhalika kana fi hujjat al-wada' hina waqafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi an-nas khatiban yubayyin lin-nas ma'alim ad-din wa yu'allimuhum fara'id al-islam. Et il y a un autre avis disant que c'était lors du discours de Al-Hajjat al-Wada', donc le pèlerinage d'adieu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné certains enseignements de la religion. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam law qultu na'am la wajabat. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit si j'avais dit oui. Quand il a demandé, est-ce que c'est tous les ans le Hajj ? Si j'avais dit oui, alors ça serait devenu obligatoire. Fihi dalil ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yahuqqu lahu an yajtahida fil ahkam wa la yushtarata fi hukmihi an yakuna bi wahyi wa huwa qawl jumhur al-ulama. Ça, c'est un dalil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant était en droit de faire son ijtihad et de dire ça c'est halal ou c'est haram sans forcément avoir une révélation d'Allah, mais lui son ijtihad, et c'est l'avis de Jumhur ulama, de la majorité des ulama. Mais bien sûr que c'est possible que c'est déjà arrivé qu'il se trompe, mais est-ce que ça enlève quelque chose à son asma, son infaillibilité? Rasulullah ma'soum bila shak. Pourquoi ça enlève rien? Il est quand même ma'soum. Parce que s'il se trompait, Allah révélait des versets pour le corriger. Donc c'est impossible que le prophète sallam ait donné un hukm et que le hukm ne soit pas correct et que Allah l'ait laissé comme ça et que nous aujourd'hui on suit un hukm de l'ijtihad du prophète où il se serait trompé. Non, c'est pas possible. Parce que Allah aurait corrigé, comme ce fut le cas pour les prisonniers de Badr, où il était d'avis de les faire prisonniers. Et ce n'était pas l'avis de Omar ibn al-Khattab, et ensuite Allah a confirmé que c'est Omar ibn al-Khattab qui avait raison. Ou alors d'autres choses aussi, ta'bir al-nahr, la fertilisation des dattiers, etc., etc. Enfin bon, etc., il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Mais dans tous les cas, Allah descendait un verset pour le corriger s'il y avait besoin. Ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Al-murad bin nahi huna. ما تناول التحريم والكراهة والنهي للتحريم فيجب اجتناب المنهي عنه إلا أن يوجد عذر شرعي يبيعه كأكل الميت أكل الميتة عند الضرورة. Donc النهي ما نهيتكم فاجتنبوه. À la base,
si le prophète sallam a utilisé an-nahi, la taf'alou, ne faites pas cette chose-là, ça veut dire que c'est haram. Ça veut dire que c'est haram. Sauf si ça peut être aussi pour que ce soit makruh, al-karah, c'est déconseillé. Mais si on a un autre dalil, un autre hadith, un verset qui nous montre que c'était pas haram, c'était déconseillé. Ça peut arriver. Donc ce qui est haram, il faut absolument l'éviter. Ce qui est makruh, il vaut mieux l'éviter. Celui qui le fait, il ne tombe pas dans le péché, il n'y a pas, il ne sera pas châtié pour cela, mais il vaut mieux l'éviter. Et comment on sait quand quelque chose est... Par exemple, le prophète sallam a... C'est rapporté par muslim que le prophète sallam a interdit de boire ash-sharbu qa'iman, boire debout, en utilisant an-nahi, ne buvez pas debout. D'accord. Mais ensuite, c'est rapporté aussi par muslim que lors du hajj, on a donné de l'eau de zamzam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a bu debout. Il a bu l'eau de zamzam en étant debout. Donc comment on peut comprendre ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de boire debout et il le fait. Ça veut dire que c'était pas haram, mais que c'est makruh. D'accord, que c'est déconseillé. Et donc il faudra éviter le haram, sauf si on a une véritable excuse prise en compte par la charia. C'est pas juste une petite gêne, et on va revenir inchallah là-dessus. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu ma stata'tum. Et donc ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que possible. يجب الامتثال بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقوم دليل على أن الأمر للاستحباب. Donc tout ce que le prophète sallam a ordonné, il faut le faire. Ça veut dire que c'est wajib. C'est pareil que, en fait, c'est pareil que les interdictions, mais dans l'autre sens. Quand le prophète sallam a ordonné, et c'est pareil pour les versets du Coran, à la base, comme ça, ibtida'an aslan, c'est obligatoire. Mais on peut avoir un autre dalil qui nous montre que c'est conseillé, mustahab, mandoub. Alors il vaudra mieux le faire, mais celui qui ne le fait pas, ça ne lui sera pas reproché. Mais ce qui dépasse les forces, la possibilité d'un être humain, alors évidemment, ça n'est pas obligatoire. وهذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلمة. Et donc ce hadith fait partie des hadiths fondamentaux de cette religion et de jawami' al-kalim, comme on a déjà dit, le fait de dire beaucoup de choses avec peu de mots. Wa yadkhulu fihi kathirun min al-ahkam al-fiqhiyya. Et il y a beaucoup de règles de fiqh qui viennent de ce hadith. On va en voir quelques-unes, mais évidemment on ne pourra pas tout voir. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah nous dit: ô vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite, haqqa tuqatih, comme Allah le mérite. Heureusement qu'il n'y a pas que ce verset, parce que est-ce qu'on adore Allah et est-ce qu'on craint Allah comme il le mérite? Bien sûr que non. Mais il y a un autre verset qui l'explique, qui dit: fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah autant que vous pouvez. Wal-ayatu thaniyatu tufassiru al-ula. Et donc le deuxième verset explique le premier. Wallahu subhanahu wa ta'ala la ya'muru illa bil mustata'. Allah ne n'ordonne que ce qui est possible. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne demande pas une âme plus que ce qu'elle peut supporter. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'objectif, c'est d'adorer Allah comme il le mérite. Mais on ne pourra pas. Alors au moins, comme on ne peut pas, Allah nous demande au moins de faire, on le sait grâce au deuxième verset, tout ce qu'on peut. Et ça, c'est important de ne pas oublier l'objectif. C'est comme quand on dit: qui est notre exemple? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut arriver au niveau de Rasulullah? Bien sûr que non. On n'arrivera jamais à son niveau. Mais est-ce qu'on se dit: bon bah non, Rasulullah c'est un niveau... Donc moi je fais rien parce que je pourrais jamais arriver à son niveau. Non, ça c'est le cap, c'est l'objectif, et j'essaye le plus que je peux d'arriver à l'objectif, même si j'y arriverai jamais. Mais au moins je me dirige vers ça. Comme le fait d'adorer, de craindre Allah comme Allah le mérite, on n'y arrivera pas non plus, mais c'est l'objectif.
Donc, on fait des efforts. On fait des efforts pour essayer d'arriver vers cet idéal, même si on n'y arrivera pas. Et comment ça, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Quand on fait des efforts pour faire le mieux possible, on s'élève. On s'élève, on se rapproche d'Allah, on se purifie. Ce qui était trop dur pour nous il y a un an, peut-être que maintenant c'est faisable. C'est pour ça, oui, on n'arrivera pas au niveau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut progresser. Il y a un an, je faisais, je ne sais pas, 2 rak'at de Qiyamul Layl, et aujourd'hui, j'en fais 10. C'est pas moi que je parle. Un exemple. Avant, j'ai commencé par lire une page de Coran par jour. Aujourd'hui, je lis 20 pages de Coran par jour. Parce que petit à petit, en faisant des efforts, c'est comme ça qu'on s'élève. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, dès qu'on a une difficulté, chercher la fatwa, chercher la vie qui nous arrange pour ne plus avoir de difficultés. Non, il faut faire des efforts. Et dans les efforts et la difficulté, c'est là aussi que on progresse et on s'élève vers Allah. فَإِنَّمَا أَحْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ نَعْمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Donc, ceux d'avant vous ont péri à cause du fait de poser trop de questions et de diverger de leurs prophètes. Al-murad, la tukthiru as-su'al fayakthuru al-jawab 'alaykum. Donc ce que le prophète Sam voulait dire, ne posez pas trop de questions parce que il va y avoir des réponses qui vont vous mettre dans la difficulté. Wa kathratu at-tasa'uli wa la siyama fi zamani al-wahy rubbama tujibu at-tahrim shay'un la yuharram. Parce qu'à l'époque de la révélation, c'est possible que quelque chose n'était pas haram. Et quelqu'un a posé une question à son sujet et c'est devenu haram. Évidemment, ça c'est valable pour l'époque de la révélation. C'est plus valable pour nous. Aujourd'hui, les ahkams, ils ne changent plus. Mais ça ne veut pas dire que toutes les questions sont bonnes à poser. On va voir un petit peu les différentes sortes de questions. فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْصَرَ السُّؤَالُ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ. Donc, il convient de poser des questions juste sur ce dont on a besoin. وَفِي ذَلِكَ جَاءَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجَلِ مَسْأَلَتِهِ. Et le prophète sallam a dit à ce sujet, parmi les musulmans les plus pécheurs, qui ont fait le plus grand péché, celui qui a posé une question au sujet de quelque chose qui n'était pas haram et qui est devenu haram après sa question. Rahou Muslim. Donc ça, je disais, c'était à l'époque du prophète. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus la révélation. Donc, il faut poser des questions. Mais pas n'importe comment et pas n'importe lesquelles. As-su'al ou ala anwa'. Il y a différentes sortes de questions. As-su'al fardun aynim. Il y a des questions qui sont obligatoires de poser. وهو السؤال عما يجهل من أمور الدين مما يجب ويحرم عليه أو يحرم عليه. Il y a des choses qui est obligatoire d'être posées. Par exemple, ce qui est obligatoire et ce qui est interdit. Quelqu'un qui ne sait pas comment il doit verser sa zakat, comment il calcule la zakat. Évidemment qu'il doit demander et que c'est obligatoire de demander. S'il meurt et qu'il n'a pas demandé et qu'il ne savait pas, Allah peut lui reprocher. C'est un péché parce que verser la zakat fait parmi des choses que tout musulman doit savoir. Donc ce qui est obligatoire pour chacun de nous, si on ne les connaît pas, il faut demander. Obligatoire. وَالسُّؤَالُ فَرْضٌ كِفَايَةٌ. Et la question qui est, vous savez, il y a les obligations individuelles et les obligations communautaires. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une partie de la Ummah qui s'en occupe. Comme Salatul Janaza. Quand il y a un mort, il faut qu'il y ait des musulmans qui s'occupent de Salatul Janaza et d'enterrer le mort. Si un groupe le fait, tout le monde est. Le péché est levé pour tout le monde. Mais si personne ne le fait, alors le péché retombe sur tout le monde. C'est ce qu'on appelle al-fard al-kifa'i. Et donc, wa huwa su'al min ajali at-tawassu'i fi at-tafaqquhi fi ad-din muhafazatan 'ala ad-din. Et donc, c'est des choses qui doivent être connues par les savants. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait une partie des musulmans qui aillent étudier pour mieux connaître la religion et donc pouvoir répondre à ces questions qui ne sont pas des questions des choses qui sont obligatoires sur chaque musulman mais des cas un petit peu rares. La question interdite, c'est les questions sur lesquelles Allah ne s'est pas prononcé.
Allah a laissé volontairement des choses sur lesquelles il ne s'est pas prononcé. Ou alors la question pour se moquer. Là évidemment c'est pire. La question pour se moquer de la religion, pour se moquer d'Allah, là c'est grave. Et la question de l'aghalit. L'aghalit c'est quoi? C'est quand on demande à un imam, à un savant, à un cheikh, une question volontairement pour qu'il se trompe ou pour le tester. Quelque chose, par exemple, quelqu'un il a déjà la réponse et il sait c'est un cas spécial, pointu, compliqué. Et il se dit, ah, je vais lui poser la question, on va voir. Pour le faire tomber comme ça. Ça c'est grave de faire ça. Ça il ne faut pas le faire, c'est haram. C'est haram. Et en fait, c'est la personne qui pose la question qui est en train de... Si le savant il ne sait pas, il dit je ne sais pas ou il se trompe, ce n'est pas de sa faute. Personne ne sait tout. Mais par contre, celui qui pose des questions comme ça, c'est grave. وَالسُّؤَلُ الْمَكْرُوهُ وَالسُّؤَلُ عَمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالسُّؤَلُ عَمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ. Et la question qui est déconseillée, ce n'est pas interdit mais c'est déconseillé, c'est la question qui ne sert à rien. La question que... aucune importance. Par exemple, un exemple qu'un professeur il avait donné, vous savez que tayammum, ça doit être fait avec une pierre de la terre, une pierre naturelle. Pas avec une brique ou un parpaing, par exemple. D'accord ? Une pierre naturelle. Est-ce que c'est autorisé de faire tayammum avec une pierre de la lune ? Alors que la personne, elle n'ira jamais sur la lune. Et jamais personne n'aura une pierre de la lune, qui vient de la lune. Ou aussi ceux qui ont posé, si on est sur la lune, comment, c'est où la Qibla ? Des questions qui n'ont aucun intérêt. Donc ça, c'est makruh de les poser. ومن القواعد المتعلقة بهذا الحديث الضرورة تبيح المحظورات. Donc parmi les grandes règles de fiqh qui ont été tirées de ce hadith, il y a الضرورة تبيح المحظورات. La difficulté, la contrainte rend licite l'illicite. Et ça, il faut faire attention avec cette règle. Ça veut dire quoi la contrainte? Les savants, ils ont délimité ça. Ça veut dire quelqu'un qui craint pour sa vie, ou qui craint pour un de ses membres, qui risque de perdre un de ses membres, ou alors qui est malade et sa maladie va empirer. Alors lui, il pourra transgresser l'interdit s'il est vraiment dans cette situation. C'est parce que c'est Allah nous dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Il vous interdit الدَّم والميتة, le sang, enfin la bête morte, le sang, la viande de porc et ce qui a été égorgé au nom d'un autre qu'Allah, comme font les hindous, comme faisaient les mouchrikounes, d'égorger pour les fausses divinités. فَمَنِ اضْطُرَّ, celui qui est contraint, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie, c'est pas ah, j'ai envie de goûter la pub du saucisson que je vois depuis que je suis tout petit, là j'ai envie d'y goûter. Non, c'est pas ça. C'est, il est contraint, il n'a pas envie de le faire. Voilà adim, et qui ne va pas prendre plus que ce dont il a besoin. Fala ithma alayhi. Inna Allah ghafur rahim. Lui, pas de péché sur lui. C'est-à-dire quelqu'un qui sera en train de mourir de faim, par exemple, et qui a que du porc à manger, il aura le droit de manger du porc. D'accord. Celui qui va mourir de froid et que boire un peu d'alcool, ça va le réchauffer. Ça réchauffe l'alcool, à ce qui paraît. Dans ce cas-là, on pourra. Mais attention, c'est pas dès que j'ai une petite difficulté, dès que j'ai une petite contrainte, et je suis dans Paris, j'ai faim et je trouve pas de sandwicherie halal, alors je mange la viande haram. Non, ça non, c'est pas une darura, ça. C'est une vraie contrainte. ولا بد من تحديد معنى الضرورة. Il faut donc limiter le sens de الضرورة. حتى لا يقع أحد في إباحة ما لا يباح. Pour ne pas que quelqu'un tombe dans, enfin, s'autorise quelque chose qui n'était pas autorisé. اعتمادا على الضرورة تبيح المحظورات. En s'appuyant sur cette règle que la contrainte rend licite l'illicite. قال الفقهاء الضرورة ما يجعل الإنسان في خطر من الموت أو إتلاف عدو من أعضائه أو زيادة مرض أو ما يجعل الإنسان في مشقة لا تحتمل. Donc les ulama ils ont dit c'est quand on craint la mort, de perdre un membre ou alors d'empirer une maladie, ou alors que quelque chose qui va
occasionner une difficulté insupportable. Là, c'est daroura. C'est pas une petite gêne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la ibada, l'adoration, elle contient un peu de difficulté. C'est normal. C'est là le test de l'ibada. C'est qu'il faut un petit peu faire un effort. Et on voit celui qui fait l'effort et celui qui ne le fait pas. Si pour adorer Allah, Allah nous avait dit pour m'adorer, il faut dormir. Ou il faut manger. Il est où l'effort? Il est où l'effort pour Allah? Il est où le test, l'examen? Il n'y a pas d'examen. On aime dormir, on aime manger. Non, il y a une petite effort. Un petit effort, pardon. Donc, la ibada, c'est pas dès qu'il y a une petite gêne et dès que je fasse un effort, alors ad-darurat tubihul mahdurat. Non. C'est surtout pas ça. C'est quand c'est vraiment un effort insupportable. C'est quand c'est un effort insupportable. ولا بد ايضا من تحديد الضرورات بما يندفع به الخطر والمشقه فالضروره تقدر بقدرها وقد قال الله تعالى غير باع ولا غير باغ ولا عاد اي غير قاصد للمعصيه ولا متجاوز حدود الضروره. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sans avoir envie et en prenant juste ce dont j'ai besoin. Celui qui mange du porc parce qu'il meurt de faim, il prendra seulement ce qu'il faut pour rester en vie. Et donc ça aussi ce sont des cas exceptionnels. Ce sont des cas exceptionnels. Il ne faut pas qu'on se dise, par exemple, quelqu'un, il peut être dans une contrainte. Mais si c'est tous les jours, il est dans un travail où il ne peut pas faire la prière, c'est un problème. Et on ne peut pas dire, bah, je suis en situation de contrainte, mais tous les jours, et je passe ma vie comme ça. Non, là, ce n'est plus une situation de contrainte, c'est nous-mêmes qui se sont mis là-dedans. Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, celui qui ne peut pas prier au travail, on ne lui dira pas, quitte ton travail, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences plus graves encore. Mais il faudra essayer de trouver un autre travail où on peut faire la prière. Il faudra en tout cas faire des efforts. Chaque jour, essayer de trouver un moyen de sortir un peu, s'échapper, faire 5 minutes pour prendre une pause pour faire la prière. On ne peut pas se contenter de « Ah bah, darurat tubihul mahdurat, je suis obligé de travailler, je ne peux pas faire la prière, alors eh ben, je ne prie pas ou je regroupe mes prières le soir et puis je me contente de ça, je ne fais pas d'efforts. » Non, là, ça ne se passe pas comme ça. Il faudra faire des efforts et au pire essayer de trouver un autre travail. En attendant, on fait le travail que l'on a, mais essayer d'en trouver un autre. Et en tout cas, chaque jour, essayer de faire sa prière à l'heure. Bon, il y a des qawa'id ukhra, walakin ma ladayya, laysa ladayya al-waqt. Juste, on n'a pas le temps de faire toutes les qawa'id de fiqh qui sont mentionnées dans le hadith, mais je voudrais... Je voulais absolument vous parler de quelque chose lorsque le prophète m'a parlé des communautés qui se sont qui ont divergé à cause de, bon là c'était à cause de poser trop de questions, mais là il s'agit de la divergence justement et le fait que les communautés se soient divisées et c'est ça qui les a fait périr. Ala al-muslimou, ولقد وصف الله تعالى الجماعة المسلمة والفئة المؤمنة بأنها أمة واحدة. Allah a décrit la communauté musulmane et le groupe des croyants comme étant une seule communauté. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على هذه الوحدة. Et donc chaque musulman, il doit œuvrer pour cette unité de la Umma. Ça doit être un souci pour chacun de nous, l'unité de la Umma. Ça ne veut pas dire qu'on est tous amis et qu'on aime tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Mais on ne se divise pas. On ne se divise pas. L'unité de la Umma, c'est quelque chose qui est une priorité, qui passe avant beaucoup d'autres choses. وَكَانَ سَبَبَ هَلَاكَ الْأُمَمِ اِخْتِلَافُهُمْ فِي دِينِهِمْ إِذَا خَلَفُوا مَا جَاءَ بِهِ أَنْبِيَاءُهُمْ. Et pourquoi les communautés d'avant ont péri? Parce qu'ils se sont divisés en divergeant sur le message de leur prophète. Et malheureusement, ma'a al-asaf al-shadid, hadha ma waqa'a fi ummatina al-yawma. Malheureusement, c'est exactement ce qui arrive à notre communauté aujourd'hui. Des divergences sur des choses qui ne méritent pas toutes ces histoires, des choses sur lesquelles il y a irtilef entre les ulama. J'en ai déjà parlé, mais je me répète. Et certains mettent à mal l'unité de la Ummah pour des questions secondaires.
Et même si quelqu'un se trompe, un frère se trompe, on peut lui faire nasiha. Et même s'il n'accepte pas nasiha, ça reste mon frère en islam. Et c'est pas pour ça qu'on va diviser la communauté. Pourquoi ? Parce que la division, ça veut dire la faiblesse. Et ça, c'est min sunanillah. C'est une règle immuable, ça. Une communauté divisée, elle est faible. Et si aujourd'hui on est faible, c'est parce qu'on est divisé. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Les musulmans, impossible que deux musulmans se mettent d'accord. Et certaines tendances, certaines mouvances aujourd'hui, malheureusement, ils nourrissent ça. Ils nourrissent cette division. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, c'est un moubtadir, c'est un bol, c'est un égaré, c'est un innovateur, etc., etc. Même en parlant des savants, où on a vu ça? Jamais on a vu ça dans l'histoire de la communauté. Dès que même un da'i, un prêcheur ou un savant dit quelque chose qui ne convient pas, ah ça y est, il ne faut pas l'écouter, mise en garde, etc., etc. Mais d'où ça vient? Cette personne, elle prêche quand même pour l'islam. On n'est pas d'accord avec lui, c'est pas grave. Il prêche quand même pour l'islam. Évidemment, il y a des limites. Il y a des limites. Ces limites, c'est quoi? Quelqu'un qui met en pratique la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire qu'il n'appelle pas à adorer autre chose qu'Allah. Qu'il n'appelle pas à adorer Allah d'une façon autre que ce que le prophète a prescrit. Et ce qu'Allah a prescrit. Et qu'il prend la sunna comme référence. Parce que c'est vrai qu'on prend... Il y a beaucoup de discours. Il ne s'agit pas de dire tout est bien et on est d'accord avec tout. Non. Ceux qui ne rejettent la sunna, par exemple, non. Ils sortent du cadre de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais par contre, les divergences entre les ulama, les divergences sur lesquelles les ulama, ils ont chacun leur avis... On n'a pas à se diviser pour ça. Et je vous dis, même si quelqu'un il est dans l'erreur, ça reste notre frère en islam. Et là, l'unité de la Ummah, c'est une priorité. Il y a l'histoire connue d'un savant qui est arrivé dans une mosquée et les gens se disputaient pour savoir comment on fait l'Iqamah. Parce qu'il y a une divergence entre les Malikiyya ou Jumhur. Malikiyya, on dit une seule fois Qad Qamatis Salah. On dit une fois, on ne dit pas deux fois Qad Qamatis Salah, Qad Qamatis Salah. Et les gens se disputaient à cause de ça. Le savant, il est rentré dans la mosquée, il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui a expliqué. Il a dit quoi? On ne fait plus l'Iqama. On fait la prière, mais on ne fait plus l'Iqama. Il dit, comment ça, on ne fait plus l'Iqama? C'est quoi ça? Al-Iqama sunna. Wahdatul umma wajib. Il a dit, l'Iqama, c'est une sunna. C'est mustahab, c'est pas obligatoire. La prière, elle est valable si on ne fait pas l'Iqama. Par contre, l'unité de la umma, ça c'est wajib, ça c'est obligatoire. Donc vous voyez, même des choses secondaires, c'est pas grave. On les met de côté pour l'unité de la umma. Et il y a un hadith qui est très parlant. Déjà quelques versets où Allah nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa nuslihi jahannam. Wa sa'at masira. Ceux qui font scission, qui se divisent, qui se séparent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué clairement la guidée, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, alors nous détournerons. Allah dit, je me détournerai d'eux comme eux ils se sont détournés, et ils brûleront en enfer, et quelle mauvaise destination. وقال ايضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين اوحينا والذي عفوا أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc il a été légiféré pour vous la religion que l'on avait prescrit à Noé, à Nouh, à Moussa et à Ibrahim ou à Isa, donc les autres prophètes. C'est la même religion en fait, c'est-à-dire الدين هنا أي العقيدة. Là, ad-din, c'est dans le sens le dogme, la croyance. C'est la même pour tous les prophètes, évidemment. Et c'est quoi? An aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Établissez la religion et ne vous divisez pas à cause de la religion. Et c'est exactement ce que certains font aujourd'hui, subhanallah. Exactement. Juste parce que c'est un groupe auquel ils n'adhèrent pas. Si un savant, il ne nous plaît pas, on ne se réfère pas à lui. C'est pas grave. Il y a beaucoup de savants, tant qu'on reste dans le cadre des vrais savants. Ce savant, moi, ça ne me dit rien. D'accord, réfère-toi à un autre. Tant que tu te réfères à un autre savant, alhamdoulilah. Mais n'empêche pas les autres de se référer à ce savant qui est un véritable savant. D'où on a vu ça, qu'il fallait, il y avait 3-4 ulama,
ils viennent tous du même pays, et c'est eux qu'il faut écouter. Et c'est eux, ulama ou sunnah. Comme si les autres, c'est ulama, je sais pas, ulama de la Bible ou de la Torah, ou je sais pas, c'est pas les ulama de la sunnah. Qu'est-ce que c'est que ça? Justement, nous, les sunnis, à la différence des chiites, il n'y a personne qui est ma'soum. Illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'est infaillible, sauf Rasulullah. On ne peut pas dire, oui, c'est lui qui a la vérité, et tous les autres, ils sont faux. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient, ça? Tant que ça reste dans le cadre de l'ijtihad, al-mu'tabar, le véritable ijtihad, on peut suivre les savants. Il n'y a pas 3-4 savants à suivre. Et même si quelqu'un se réfère à un savant que moi ne me convient pas, ça reste mon frère en islam. Et je n'ai pas à lui imposer tous les avis où il y a divergence, et c'est-à-dire beaucoup d'avis. On n'a pas le droit d'imposer un des avis. Moi, j'adhère à un avis, ce n'est pas pour ça que j'ai le droit de l'imposer aux autres. وقال النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Et le prophète sallam a dit, ne retombez pas dans le kufr après moi en vous combattant les uns les autres. وكل خلاف في الفهم يؤدي الى النزاع فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بترك الخوض فيه. Et le prophète sallam a toutes les divergences qui occasionnent vraiment la division, le prophète nous a dit de les délaisser. Likay tasfu al-qulub wa yaqul, pour que les cœurs se purifient, parce que les cœurs, ils deviennent noirs dans ce cas-là. Et écoutez ce hadith. J'ai fini, mais je vous demande cette attention pour ce hadith. Où le prophète, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Il n'y a pas de discussion sahih pas sahih. Rapporté par al-Bukhari et Muslim, muttafaqun alayh. Où il nous dit "Iqra'u al-Qur'an" ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. Le professeur nous dit, lisez le Coran. Il s'agit de la lecture du Coran. Tant que vos cœurs restent unis. Mais si vous commencez à diverger, à vous diviser, alors délaissez-la. Délaissez la lecture du Coran. Si cette lecture du Coran, elle est la cause de division. C'est-à-dire que si on est là entre nous, on commence à lire une page du Coran, et il y a quelqu'un qui dit ça, et un autre qui dit mais non, c'est pas ça, ça veut dire autre chose, etc. Et ça commence à devenir malsain, et on commence à se disputer, il faut arrêter de lire le Coran. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que lire le Coran? Eh bien, l'unité de la Ummah, elle est plus importante que ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand il y a certains qui divisent la Ummah pour des questions de est-ce qu'il faut fêter le Maolid ou pas? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que le pantalon il a le droit d'être au-dessus des chevilles ou pas? Est-ce qu'il faut laisser pousser la barbe une qabda ou plus? Des questions secondaires sur lesquelles il y a divergence. Les ulama ils divergent et ils discutent depuis 1400 ans. Et là certains ils vont diviser la Ummah pour des questions comme ça. Ça c'est vraiment, c'est une mauvaise compréhension. C'est une absence de compréhension. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que le dîn et Risalat Rasulillah et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc évidemment, dans ce hadith, il ne s'agit pas des divergences entre les fuqaha. Évidemment, les fuqaha, les mufassiroun, ils divergent sur le sens d'un verset, sur comment est-ce qu'il faut l'interpréter, sur les ahkam qu'il faut tirer. Par exemple, famsahu bi ru'usikum, petit exemple. Famsahu biru'usikum dans ayatul wudu, le verset sur les ablutions. Pourquoi Allah n'a pas dit famsahu ru'usakum, mais biru'usikum? Et biru'usikum, ça peut vouloir être le bi là, frotter la tête, mais avec le bi, ça peut vouloir dire ce bi une partie de la tête, passer la main mouillée sur une partie de la tête. Ou alors ça peut juste être comme ça, za'ida. Ça veut dire c'est comme si Allah avait dit famsahu ru'usakum. Et dans ce cas-là, c'est toute la tête qu'il faut, sur laquelle il faut passer la main mouillée. Et bien l'imam Malik, pour lui, c'est za'ida. Ça veut dire que ce bi, il ne change pas le sens. Il faut faire ça sur toute la tête. L'imam Shafi'i, non, pour lui, bi ru'usikum, ça veut dire une partie de la tête. Et donc juste 3 cheveux, ça suffit. La sunna, c'est de faire tout, mais 3 cheveux, ça suffit. Donc vous voyez, ils ont tiré des... Ils ont interprété le verset différemment. Ce n'est pas cette division-là dont il s'agit, évidemment.
Parce que ça, c'est l'ijtihad des ulama qui pose aucun problème. Et ça ne les empêchait pas d'être des frères en islam. L'imam al-Shafi'i était l'élève de l'imam Malik. Et qu'il a dit dans le sens « إِنْ تَحَدَّثُوا عَنِ الْعُلَمَا فَمَالِكٌ نَجْمُهُمْ » Si vous parlez des savants, Malik, c'est l'étoile des savants. Et pourtant, c'était son élève et il a fait un autre madhab. Ça veut dire qu'il a beaucoup divergé sur lui avec l'imam Malik. Au point de faire un autre madhab que le madhab de son maître. Donc il y avait des divergences ou pas? Des divergences de fond. Pour lui, il fallait prendre les textes différemment. Ça ne l'a pas empêché de dire ça. D'avoir du respect. Parce que la divergence, elle est en dessous la fraternité et l'unité de la Umma. Et ça, c'est très important. Et il faut que chacun en œuvre pour l'unité de la Umma. Tant qu'on sera divisé, cherchez pas. On ne sortira pas la tête de l'eau. Et ça n'ira pas mieux pour la communauté tant qu'on sera comme ça, à médire sur les uns les autres, à s'insulter, d'égarer, d'innovateur, pour des questions futiles. Ça ne changera jamais. Et pourquoi les autres communautés, ne serait-ce qu'en France, qu'est-ce qu'ils font qu'elles sont plus fortes que nous? Ce n'est pas le nombre, on est nombreux. Mais le nombre, il ne sert à rien si on est divisé. Mais eux, ils sont solidaires, ils sont unis. Ils ont des problèmes entre eux, mais ils le lavent en famille, leur linge sale. Avec les autres, ils sont unis, ils font bloc. C'est pour ça qu'ils sont forts. Et nous, malheureusement, celle qui est censée être la meilleure des communautés, la communauté du Coran, la communauté du prophète Mohammed, malheureusement, on est la plus divisée des communautés. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Wallahu a'lam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألف بين قلوبنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله